Coucou les beautés, on se retrouve pour une nouvelle vidéo haul. Donc pendant mes vacances, j'ai fait les magasins et je suis passée chez Action, évidemment. Donc je commence par ce haul parce que je vais faire en fait différents hauls parce que si je le mets tout dans une vidéo, ça risque d'être beaucoup trop long et beaucoup trop chiant pour vous. Et puis il y a peut-être des magasins qui vous intéresseront pas, donc comme ça c'est plus facile pour vous retrouver. J'ai mon petit ticket, je prends tout dans l'ordre et on commence donc par ceci que j'ai payé 99 centimes. C'est quoi? C'est tout simplement un petit cintre pour suspendre les colliers, bracelets ou même des bagues, pourquoi pas. Et comme ça c'est vachement plus pratique. Donc j'en ai pris deux. Comme ceci, hein, il y avait, quand j'y suis allée, il n'y avait que des roses et un bleu. Donc j'ai pris deux roses pour moi et un rose pour ma petite mamounette. Franchement, 99 centimes, hein, ça vaut le coup. Ensuite, j'ai pris deux lotions, donc des crèmes hein, pour le corps, de 300 ml. Donc j'ai payé 1,89€. Donc la première est à la cerise et à la rose. Donc, oh my god. Et alors celle-ci, c'est une tuerie de dingue. Elles sentent bon, mais vraiment. Elles sentent trop trop bon. Ça me fait penser à un chewing-gum à la cerise, mais je ne saurais pas. Non, les sucettes quand on était jeune. Les sucettes comme ça, là, qui faisaient des cerises, et ben ça sent vraiment cette odeur. Et c'est top, j'adore. Et la deuxième lotion que j'ai achetée, c'est la lotion donc à l'orange, fleur et papaye. De toujours la même marque, hein, oh my god. Et elle, pareil, elle sent juste trop trop bon. C'est doux, c'est propre, ça sent propre, c'est vraiment agréable. Donc moi, je les dévisse pour les sentir plus facilement, mais voilà, c'est comme ça. Donc, je vous ai déjà dit le prix, 1,89€. Ensuite, j'ai acheté des petites gelées en fait. Hein. Ça s'appelle le gel d'escargot, donc gel régénérateur. Régénératif. Bref, comme ceci, j'ai vu... Oh, fut, ça me pique le nez. J'ai vu ce petit gel sur bon nombre de vos chaînes. Hein, et j'avais juste trop envie d'essayer, mais à l'action où j'allais moi, il n'y en avait jamais. Donc j'en ai pris deux pots. Alors ça se présente comme ceci. Hein. C'est vraiment la gelée quoi. Mais alors par contre l'odeur. Ça sent trop trop bon. Ça, clairement, alors là je dis pas des conneries. J'espère. Non c'est vraiment ça. En fait ça sent la lotion Burberry. Donc j'ai le parfum et la lotion et ça sent exactement ça. Oh purée. Ah, je kiffe à fond là. Je kiffe de malade. Alors pas de panique, hein, on n'a pas été faire baver les escargots dans des cages pour faire ça. Hein. Non, non, pas du tout. D'ailleurs, on nous dit. Alors, gel d'escargot contient une combination. Mais c'est pas écrit français en fait. Hein. Je vous lis texto ce qu'il a décrit. Gel d'escargot contient une combination particulière d'ingrédients naturels qui soutient la capacité de générer... si moi non plus je parle pas français, ça va le faire. Régénération de la peau. Pour utilisation entre deux, l'acné, entre autres de l'acné, des cicatrices, des taches de vieillesse, des rides, vergitures... Des rides d'expression. Convient le corps et aussi le visage. Bon, déjà, convient le corps et aussi le visage. Alors, frottez le gel deux fois par jour sur la peau nettoyée. Le gel s'est retiré dans un délai de minutes. Alors, franchement, je sais pas, ils ont oublié des mots sur ma notice, quoi. Puis mettre du maquillage. Ils sont gentils. Éventuellement, ils nous mettent un. Hein. Après l'application, pas directement prendre contact avec le soleil, ni appliquer au soleil. Le gel contient de nature les ingrédients suivants. Collagène naturel, élastine, acide glycolique et alanatoïde. Alanatoïde.
à l'entouille. Je vais avancer tout ça. Bref, c'est juste top et ça sent juste trop trop bon. Ah ouais, ça sent grave bon. Ça, j'adore, j'ai hâte d'essayer, je vous en redirai les nouvelles. Donc j'en ai pris plusieurs pots. Ensuite, j'ai pris des vernis que j'ai payé 99 centimes. Après, on aime ou pas les couleurs, hein. Ça, je veux dire, voilà, je m'en fous un peu. Donc un jaune très clair. Donc c'est des vernis Revlon, Color Stay. Revlon, Revlon comme vous voulez. Donc le numéro 100, Buttercup. Donc le petit jaune clair. Ensuite, j'ai pris le numéro 230, Bonsai. Hop, c'est un vert, mais il est brillant avec des petits reflets dorés. Il est plutôt mignon. Ensuite, j'ai pris le 300 Bare Bones, qui est un beige clair. C'est pas le même, hein. Ils ont quand même. Voilà, vous voyez mieux la nuance. Et le dernier, le 110, le Marmalade, que je kiffe de ouf, que je trouve juste trop beau. Alors là, je sais pas si la couleur va ressortir réellement comme elle est, mais c'est un saumon néon rose un peu. Il est juste trop beau. Et pour le prix, franchement, j'aurais été con de ne pas les prendre. 99 centimes, allô, quoi. Ensuite, on continue avec deux vernis Sheena Glaze que j'ai payé 49 centimes. Alors certes, c'est des craquants. Je ne suis pas fan en ce moment de vernis craquants, mais les miens sont morts. Et puis, à ce prix-là, je me suis dit, allez. Donc, comme ceci. Est-ce qu'il y a une référence? Le Black Mesh 980. Franchement, à ce prix-là, je veux bien. Et le deuxième est le numéro 1044 Platinum Pierce. Donc, c'est un petit argenté, quoi. Donc, voilà, j'étais contente. J'en avais déjà trouvé un craquant doré. Donc, là, ça m'en fera. C'est mes trois seuls Sheena Glaze, hein. Donc, quand on voit le prix des Sheena Glaze. Ensuite, j'ai pris des petites boucles d'oreilles à 89 centimes. Donc celle-ci, bleu, blanche et gris, noir, là, celle-ci que je porte. Ensuite, voilà, celle-là, c'est pas les mêmes. Les miennes, là, sont mates et celles-ci sont brillantes. Donc pareil, hein. Une paire de grises qui tire un peu sur le beige, une paire noire, une paire blanche. Et les dernières, des roses, des bleus turquoise et des jaunes clairs. Donc ça, j'en avais eu dans le shop avec ma luciole et j'avais surkiffé ces petites boucles d'oreilles-là. Du coup, bah j'en ai racheté. Ensuite, encore une paire de boucles d'oreilles. Pareil, je vais vous l'ouvrir pour vous la montrer. Et donc que j'ai payé 89 centimes également. J'en ai eu une paire comme ça de bleu dans mon swap avec ma luciole. Et donc j'ai pris les roses pétantes parce que je trouve que cet été, j'ai pas mal de colliers fluo, rose, jaune, etc. Et je pense que ça devrait être pas mal. Voilà, donc il y avait d'autres couleurs, hein. Il me semble qu'il y avait des jaunes. Ouais, des jaunes, des bleus. Il y avait des dégradés marron, blanc, gris. Donc, ensuite. Ah oui, je dirais ça. J'ai acheté les petits paniers zèbres que j'avais déjà achetés et que je rachète parce qu'ils sont top et que j'ai plus de place. Donc, je suis en construction de coin de beauté. Donc, pour l'instant, c'est un peu le bordel. J'ai tout dans des boîtes, dans des. Je sais plus ce que j'ai. J'en ai partout. Donc, je me suis dit, comme je suis en train de. Enfin, avec ma marraine, on est en train de faire mon coin beauté. Ça viendra dans les semaines à venir, je pense. Je me suis dit que les petites panières comme ça, là, on en a toujours besoin. Et elles vont être juste trop top pour mettre mes couleurs pop. Donc, j'en ai pris deux lots de trois. Et donc, un lot de 3 coûte 55 centimes. Voilà quoi. Pourquoi s'en priver?
On continue avec mes petits washi tape que j'achète tout le temps. Alors là, j'ai eu d'autres couleurs, hein. Donc des petits pots de serre. Non, c'est des léopards roses avec des petites résilles grises et roses, comme ça. Hop. Ensuite, j'en ai acheté, mais des plus petits, parce que ça, j'aime bien pour faire mes étiquettes de swap. Bah, je vais vous montrer, parce que je vais essayer de piocher un cadeau du swap. Ah, quelle organisation. J'ai le swap de ma chérie juste à côté parce qu'on va bientôt s'échanger. Donc voilà, par exemple, ce que je fais avec ceci. Donc là, on a le numéro 22. Je fais des petites étiquettes avec le washi tape. Je décore comme ça, voilà. Avec ça. J'adore, je m'éclate. Donc là, c'en est plusieurs couleurs. Du violet, du saumon, du rouge. Et le dernier est dans des tons roses et turquoise comme ça. Et donc les washi tape, je les paye 79 centimes, donc c'est vraiment vraiment pas cher du tout. Ensuite, j'ai acheté ça pour faire, parce que j'ai pas fini de décorer mon swap et mon menu, hein. Donc mon menu qui est dedans, hein. Alors voilà, on voit par transparence, mais et puis on voit là que j'ai mis les petites étiquettes, hein. Donc j'ai acheté ça spécialement pour ma chérie. Donc c'est des stickers que j'ai payé 69 centimes. Donc il y a le mini, comme ça, parce qu'elle est fan de Disney, ma chérie. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa pour décorer ses cadeaux. Voilà, toute la bande de Mickey et tout, des petits cœurs, des petites glaces, là, la petite mini avec sa petite robe Daisy. Voilà. Franchement, je les ai trouvés trop sympas, les autocollants, comme ça. Là, ils sont en vacances. Hop. Je trouve ça fait son petit effet. Et là, alors là, elle est pas juste trop craquante sur celui-là, là. Donc voilà pour les mini. Tiens, allez, mon sac. Et j'ai trouvé aussi celui des princesses. Des princesses Disney. Donc pareil, hein, pour le swap avec ma chérie. Donc elles sont toutes là. Hop. Voilà. Franchement, je trouve que pour le prix, ça fait son effet. Hein. C'est les vrais en plus. Hein. La petite sirène, Blanche-Neige, belle. Il y a même les nouvelles princesses, hein, dans la princesse à la grenouille, réponse, belle. Moi, j'aime bien les petites princesses comme ça. Là. Hop là. Elles sont toutes belles. Donc voilà, j'étais contente de ma petite trouvaille. Ensuite, ça je peux pas vous dire parce que c'est déjà dans le swap. Et je me suis pris des petites barrettes parce que j'en avais déjà pris là-bas en noir, en blanc, en bleu. J'en avais eu dans un swap aussi. Je les ai payées 89 centimes. Et cette fois-ci, j'ai pris les bleus marines comme ceci. C'est des petites pinces crocodiles. Enfin, moi j'appelle ça comme ça, hein. Et franchement, ça se met super bien dans les coiffures, dans les chignons. Voilà, moi, franchement, j'en suis hyper contente. Et quand on voit le prix de ces conneries chez Claire's ou des magasins dans le genre, et ben on se dit que voilà. Et le dernier article que j'ai pris, eh ben non! J'ai oublié cela. Alors, les stickers. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi t'as pris tout ça? Bah, je sais pas. Ils me donnaient trop envie. Et je vous avoue que je sais pas où je vais les mettre. Hein, mais c'est des stickers, en fait, que j'ai payé 59 centimes. C'est des papillons en 3D. Donc, j'ai pris les verts. Les roses. Les bleus et les dégradés de jaune, orangé, vert. Alors, pour être honnête, hein, ouais, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Je vais peut-être en coller dans mon coin beauté ou je sais pas, mais je trouvais ça mignon. Je me suis dit, ça peut toujours servir. Voilà. Et donc, cette fois-ci, le dernier article que j'ai acheté,
C'est mon chéri qui voulait ça en fait, parce que je vous explique. Je lui ai cassé les pieds pendant des jours et des jours pour qu'il m'achète de l'huile de coco pour mes cheveux, ma peau, etc. Et donc, il m'a ramené un bocaux, on va dire, d'huile de coco. Et il m'en a piqué un jour pour faire de la cuisine. Et il trouve ça trop, trop bon de cuisiner à l'huile de coco. Du coup, on en a trouvé chez Action. Et donc là, c'est un contenant de 500 ml. Qui coûte 2,59€, donc comme ça, là c'est, bah vous pouvez vous en servir aussi pour les cheveux, etc, hein. Je veux dire, c'est la même chose, hein. Donc voilà, je trouve pas, oh bah je vais pas y arriver, j'ai laissé mes muscles en vacances, ah voilà, je trouve pas du tout que ça sente. Ah, s'il faut frotter un peu. Donc voilà, l'huile de coco, c'est solide. Hein. Faut le prélever. Alors moi, ce que je fais, je le prélève à la main. Je le mets dans un petit bol que je mets au micro-ondes 10 secondes. Et après, je l'enduis sur mes cheveux, etc. Et pour la cuisine, c'est pareil. Hein. Vous prenez une petite cuillère dans la poêle et hop là. Et au moins, franchement, je sais que on fait pas mal de choses à la poêle, comme des... genre des nuggets de fromage, des trucs comme ça. Et franchement, la friture, ça pue à mort. Et avec l'huile de coco, ça sent bon la noix de coco. Voilà, donc je vous recommande d'essayer. C'est tout pour ce haul Action. J'espère que la vidéo sera pas trop longue, que vous aurez trouvé des petites choses qui vous intéressent. N'hésitez pas à me donner vos avis en barre d'infos. En attendant, je vous fais d'énormes bisous. Et vous allez trouver d'autres hauls à suivre. Et là, j'ai mon chien qui fait du bordel comme d'habitude. Vous allez trouver les autres hauls... J'aurais vraiment eu du mal. Vous allez trouver les autres hauls à la suite sur ma chaîne, quoi. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.